Bonjour et bienvenue. J'ai interrogé le Yi King pour le mois d'août et je vais donc partager avec vous ce qu'il m'a dévoilé. Alors, j'ai d'abord tiré l'hexagramme 26. Le trigramme du haut représente la montagne et en dessous le ciel. Ciel à l'intérieur de la montagne favorise la créativité. Le pouvoir du four qui recherche dans le passé l'origine de la situation actuelle. Il faut absolument se tourner vers notre passé pour en tirer les enseignements de ce qui nous arrive aujourd'hui, puisque tout est une question de cycle, l'histoire se répète sans arrêt. On nous demande de nous rassembler, de rassembler toutes nos forces de manière à ne plus vivre aux dépens de la collectivité, de devenir adulte, d'accepter nos responsabilités et de nous assumer. Rénover journellement la vertu autour de nous en enseignant aux autres, à ceux qui ont basculé dans l'obscurité, s'éloigner des habitudes et sortir de la routine, rechercher dans le passé le manque de contrôle de nos actes, savoir s'arrêter pour faire grandir la force intérieure avant de repartir. Il est parfois nécessaire de prendre un moment, une période d'arrêt pour repartir plus fort. Et la lame 25. La lame 25 représente le trigramme du haut. Nous retrouvons à nouveau le ciel, mais qui cette fois-ci se retrouve au-dessus, et le tonnerre en dessous. Le tonnerre en dessous du ciel, c'est l'innocence qui mène au succès. Comme un enfant qui n'a pas conscience du danger, l'âme innocente entreprend de grandes choses. Elle n'a pas le frein de la peur. Elle réussit contre toutes les adversités. Innocence, spontanéité, inattendu, rester réceptif à sa propre intuition. Écouter la voix intérieure sans culpabiliser des circonstances extérieures. Réagir spontanément sera plus efficace que d'élaborer des plans que tout le monde connaîtra avant de le mettre en action. De petites actions par petits groupes spontanées seront beaucoup plus efficaces qu'un grand rassemblement organisé. Rester soi-même, ne pas jouer de rôle, ôter nos masques, ne rien attendre, garder le cap et éviter d'aller contre la destinée. Ne pas nager à contre-courant, mais se laisser porter. L'action non préméditée contient la justesse et la pureté de l'essence originelle. Voilà l'enseignement du mois d'août. Chacun trouvera ce qui résonne en lui et ensemble nous essaierons de progresser puisque moi aussi je découvre le Yi King qui est un enseignement très profond et il y a tellement d'ouvrages là-dessus que je suis obligé de prendre des notes pour le moment. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, un pouce pour me permettre d'avoir plus de visibilité. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt. Merci, au revoir.